CGT Vinci, c'est une histoire récente pour nous, puisqu'on s'est engagé dans une prise de position collective sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en début de cette année seulement. Jusque-là, les militants avaient des positions individuelles, et en résumé, on était d'accord, mais on ne le savait pas. Et puis, nous avons été un petit peu interpellés par le collectif anti-aéroport de la région parisienne, qui est venu manifester au siège de Vinci. Et de là, on commençait des contacts. Et chez nous, nous avons décidé de prendre une position collective sur Notre-Dame-des-Landes, qui s'est faite très vite, à notre grande surprise. Nous avons pris des contacts ici même, avec un petit peu tout le monde sur la ZAD. Des gens d'ici sont venus nous parler, nous rencontrer à Montreuil, au siège de la CGT. Et à travers ces échanges, on a eu une position unanime des syndicats CGT de Vinci contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, nous avons répété cette solidarité, nous avons répété nos positions, et nos positions vont au-delà de la solidarité. J'ai entendu convergence des luttes, c'est exactement ça. Convergence des luttes, c'est-à-dire que nous avons nos propres intérêts dans cette affaire. Nous nous mobilisons en tant que syndicalistes, parce que de l'intérieur, chez Vinci, nous savons comment les choses se passent quand on nous envoie travailler sur des projets comme Notre-Dame-des-Landes ou comme tous les projets en partenariat public-privé, tous ces projets où Vinci fait des profits privés, avec l'argent public. Pour nous, une situation comme ça se traduit, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce genre de contrat, mais se traduit par une violente dégradation des conditions de travail, par un recours massif à de la main-d'œuvre dans des conditions inacceptables, en particulier en utilisant à outrance l'intérim, la sous-traitance et le prêt de travailleurs, les salariés détachés. Merci. Voilà. Et donc, nous avons nos propres raisons de nous opposer à cet aéroport qui viennent soutenir des raisons de fond qui sont des raisons citoyennes que nous partageons en tant que syndicat et qui nous ont amené à la nécessité d'avoir une démarche de remise en cause du travail que Vinci nous fait faire, à analyser le travail que Vinci nous fait faire sous l'angle de son utilité sociale. Et ça, c'est un long chemin que nous commençons. Nous avons le sentiment de renouer avec l'histoire même de notre syndicat, de sortir d'un hiver et de retrouver des valeurs qui ont été partagées par tous nos prédécesseurs dans nos syndicats. Et je pense que on nous dit des fois, vous faites une obsession avec Notre-Dame-des-Landes. On ne fait pas une obsession avec Notre-Dame-des-Landes. Et malheureusement, il y a encore d'autres batailles. Mais Notre-Dame-des-Landes a quelque chose d'exemplaire. Le projet lui-même est exemplaire dans le genre projet crapuleux. Mais la ZAD est exemplaire aussi pour la lutte, pour la façon de faire converger les luttes, pour réapprendre la démocratie dans le combat. Et nous avons beaucoup appris des contacts que nous avons eus ici. Et notre solidarité est faite de sympathie avec des personnes que nous avons rencontrées en chair et en os. Et ça, on ne fera jamais détruire quelque chose ici, parce que pour nous, c'est carrément presque sentimental. Une obsession de Notre-Dame-des-Landes, ça veut dire que malheureusement, il y a d'autres combats où Vinci joue un rôle que nous condamnons. J'ai entendu parler tout à l'heure de Calais. Nous avons appris que c'est une filiale de Vinci qui doit construire le mur de la honte et que c'est une autre filiale de Vinci qui doit assurer la démolition
de la zone sud de la jungle. Évidemment, c'est quelque chose... Enfin, là, c'est même plus syndical, on touche à l'abomination. Nous sommes également interpellés en ce moment même sur le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est dans les travaux aurait dû commencer récemment. Une filiale de Vinci est en train de faire des sondages. Elle en a été empêchée par les opposants locaux. Mais c'est un combat qui est un combat frère du combat que nous menons ici. C'est un combat contre Vinci et son monde. Merci. Bonjour à tous. Moi, je représente la CGT AGO. Pas Géo, AGO, parce que la CGT, on dit AGO, pour se démarquer. Alors, qu'est-ce que la CGT AGO? C'est un syndicat interprofessionnel qui regroupe tous les métiers de la plateforme aéroportuaire, bar restauration, les pompiers, l'avitaillement des avions, les bagagistes. Et nous sommes fermement opposés au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi, vous direz-vous? Parce que demain, s'il se fait, nos emplois seront menacés. Il y aura des appels d'offres et on sera tous sur la sellette. Alors nous, ce qu'on trouve intéressant à la CGT AGO, c'est de mélanger les luttes, lutte écolo, lutte ouvrière, sur la base de l'anticapitalisme, pour une convergence des luttes. Et on est en plein dedans. Nous sommes directement concernés. Tous ici. Et en cas d'évacuation de la ZAD, on sera là. Nous sommes là, nous serons là, si je le retiens. Voilà, en gros. Ça va aller? Allez, une dernière chose. On a pensé se réunir avec d'autres syndicats, avec par exemple Solidaire et les copains de la CGT, du collectif de la CGT contre l'aéroport, pour penser à des actions communes en cas d'évacuation. Merci à vous. En cas d'évacuation, bien sûr, nous nous associons à cet appel et nous avons une consigne particulière que nous avons donnée à nos syndicats, CGT Vinci, et que nous aimerions qu'elle soit reprise par toutes les entreprises susceptible d'avoir à intervenir pour faire des travaux ici. Cette consigne, elle est en deux temps. Le premier temps, c'est devoir d'alerte. Devoir d'alerte, ça veut dire, si vous êtes sollicité pour aller faire des travaux, quels qu'ils soient, sur la ZAD ou dans ses alentours, premièrement, vous prévenez la ZAD ou la CIPA, on donne le numéro de téléphone, l'adresse mail, tout ce qu'il faut, et vous dites quels sont les travaux qu'on vous a demandé de faire, où, quand, etc. Deuxième temps, c'est droit d'alerte. Droit d'alerte, c'est vous, tout salarié a le droit de refuser un travail et son employeur ne peut pas s'y opposer en droit. Droit d'alerte, refuser un travail pour cause de risque, de danger grave et imminent. Et ici, sur la ZAD, venir faire des travaux dans un contexte d'affrontement et d'évacuation, c'est un danger grave et imminent.